Yo tout le monde, c'est Blurz et on se retrouve aujourd'hui pour toute première vidéo sur Amnesia The Dark Descent. Donc un jeu qui a été développé par Frictional Games je crois, qui est sorti en 2010. Un bon petit jeu d'horreur que vous connaissez sûrement parce que bon, il y a moult youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus. Et bah c'est à mon tour pour la toute première vidéo sur ma chaîne. J'ai décidé de faire une petite custom story qui s'appelle Kidnapped. Je sais pas ce qu'elle vaut, j'ai juste testé voir si elle fonctionnait le début, mais à part ça, je sais pas du tout ce qu'elle vaut. Donc, alors, you wake up in the room, there is a note on the desk, you are kidnapped, you escape the room and slowly find out the horrifying secret of the mansion. Alors, j'ai un superbe accent anglais, je sais, alors là, c'est magnifique. Je vais essayer de vous traduire ça. Alors c'est vous réveillez dans une pièce, il y a une note sur le bureau, vous êtes kidnappé, vous devez vous vous échapper de la pièce et doucement vous découvrez l'horrible secret de ce manoir. C'est à peu près ça la traduction. Donc voilà voilà. Alors je tiens direct à m'excuser. Oh c'est bizarre ici. Un marteau, tiens, ramassons-le. Je tiens direct à... Merde. Oh, allez! Je tiens à m'excuser si le son de mon micro est pourri, parce que j'ai essayé de faire des petits réglages, et j'enregistre actuellement avec le micro de mon casque, je sais pas du tout ce que ça vaut. J'espère que c'est pas mal, sinon, bah, je suis désolé. Je m'excuse aussi si le son du micro est plus fort que celui du jeu, ou vice-versa. Je sais que ça pourrait ne pas être très... Pourquoi ça s'est cassé, là? Un poule. Oh, ça pète la gueule. C'est quoi ce bordel là? Ouais bon c'est étrange. Donc je disais si les sons sont mal équilibrés par rapport au micro ou au jeu, c'est pas très agréable pour vos oreilles et je m'en excuse d'avance si c'est le cas. Et une dernière chose, je m'excuse si j'ai une voix de shooté, j'ai très mal dormi cette nuit. J'ai dormi à tout péter 3 heures, on n'a pas réussi à dormir avec un pote, enfin bon bref. C'est la merde. Voilà, voilà. Donc, actuellement, j'ai la tête qui tourne, oui. T'as fait la teuf hier soir, t'as fumé des joints, t'as bu un petit peu de vodka, je crois. Parce que là, t'es complètement stone. Ouais, ok. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc, je crois que je disais que c'était ma... Allez, c'était ma première vidéo sur ma chaîne. Donc, j'ai un petit peu le track, quand même. J'espère que ça va bien se passer, que ça... Pas une raison, je crois. Je vais la prendre. J'espère que ça va bien se passer, que vous allez tout de même apprécier cette vidéo. Parce que bon, je vais pas vous cacher, j'ai extrêmement le track pour un début. Putain, ça lag. Pour un début, pour une première vidéo, voilà, j'appréhende un petit peu. J'espère que je vais pas faire trop de la merde. Normalement, il n'y a pas de raison, mais voilà quoi. On sait jamais. Là, je sais plus si j'ai vérifié. Alors ma chaîne, bah écoutez, je vais vous parler un petit peu de ma chaîne. Hein. Tant qu'à faire. Alors qu'est-ce qu'il y aura dessus? Bah du gameplay comme vous pouvez le voir. C'est quoi ça? Un pied de biche. J'arrive pas à ramasser le pied de biche. Voilà. Il y aura du gameplay comme vous pouvez le voir. Bon pas que du jeu d'horreur, il y aura du Amnesia. J'aime bien les jeux d'horreur. Il y aura du Slender. En plus il y a le nouveau Slender qui est sorti. Faudrait que je me l'achète. Enfin plein de petits jeux d'horreur mais pas que. Pas que, parce que bon, j'aime bien jouer un petit peu à tout. Donc il y aura un petit peu de... Oh, c'est violent. Il y aura un petit peu de Call of, par exemple, parce que j'aime bien Call of, je vais pas vous le cacher. Vous allez dire, eh, Call of, c'est nul, et trucs comme ça, il y en a, ils vont dire ça, mais je m'en fous, j'aime bien, donc je ferai des vidéos là-dessus. Je ferai des petites vidéos aussi sur, je sais pas, des jeux d'action, d'aventure, je sais pas, pourquoi pas du Tomb Raider, du Far Cry... Des jeux de sport, du FIFA ou des jeux de course, Gran Turismo, même si non, pas Gran Turismo, non, je l'ai pas, mais je sais pas, des jeux de bagnole diverses. Puis des petits jeux rétro aussi, pourquoi pas, parce que j'ai 2-3 vieux jeux sur mon PC auxquels je jouais quand j'étais plus jeune. Et pourquoi pas vous faire vous montrer ça, quoi, ça pourrait être sympathique. Donc voilà, voilà. Voilà. Ouvre-toi, madame la porte. Merci. Donc voilà quoi, j'espère que ça va vous plaire, je vais faire un petit peu tout, pourquoi pas un petit peu aussi d'IRL. Ouais, je vais utiliser ça. Genre, je sais pas, des vidéos délire, fun, des petits trucs, putain ça fait flipper. Juste ma... ok.
Des petites vidéos, genre je fais un petit peu de guitare, pourquoi pas. Voilà, faire un petit peu de guitare en vidéo, même si je vais m'afficher. Etc. Quoi. Mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Je vous dis. Je vous avoue pour le moment là, les vidéos que je vais faire, c'est vraiment pour le feu. Ça s'ouvre pas. Ah bah non, il y a une clé. C'est vraiment pour le fun, hein. Je me prends pas la tête, je fais ça juste pour le plaisir. Se trouve, je vais avoir 10 personnes qui vont regarder, bah je vais être super content. Voilà quoi, je me prends pas au sérieux du tout. Donc de toute façon vous le verrez, ma chaîne c'est un petit peu la dèche, j'ai pas de background. Ouais j'ai un putain d'accent je sais. J'ai pas de... J'en ai pas, donc au passage je vais faire une petite annonce. Si quelqu'un pouvait m'en faire un, ça serait vraiment cool. Même si c'est un petit truc simple et tout, bah voilà quoi, ça me ferait vraiment plaisir. Histoire que ma chaîne, bah ça soit pas trop vide on va dire, l'interface de ma chaîne. Et j'ai pas d'intro non plus. Oui, c'est vraiment la dèche. Je vais peut-être essayer de m'en faire une moi-même, même si je suis absolument pas doué du tout. Mais bon. Donc c'est pareil, s'il y a une âme charitable qui veut bien m'en faire une, enfin qui veut bien me proposer certains trucs, certaines intros et tout, bah pourquoi pas. Je suis preneur. C'est dur à ramasser. Je suis preneur, franchement, je veux bien quoi. Donc voilà. Je vais peut-être vous parler de moi un petit peu quand même, même si on s'en fout. Comme ça fera un petit peu la discute, quoi. Oh, c'est quoi ça? Un tonneau, non? Ouais, bizarre. Faire un petit peu la discute. Donc, moi, IRL, mon prénom, c'est Thomas. Je ne dévoilerai pas mon nom de famille, bien entendu. J'ai 18 piges. J'habite à côté de Paris et je suis en terminale ES. D'ailleurs, je trouve ça vraiment chiant, la ES. Mais bon, c'est qu'un point de vue personnel, parce qu'après, il y en a d'autres qui aiment. Mais voilà, quoi. Bref, passons. Puis voilà, quoi, je suis un petit peu un fan de tout ce qui touche les jeux vidéo, nouvelles technologies, consoles. J'adore tout cet univers, quoi. Y compris, alors, tout cet univers informatique, jeux vidéo. Mais aussi tout ce qui est rock et metal. Alors là, je suis un grand passionné, j'adore ça. Mon groupe favori, si vous voulez savoir, c'est Metallica. Même si j'en ai plein d'autres. Putain, je vais vite. Même si j'en ai plein d'autres que j'apprécie, mon préféré c'est Metallica. Puis voilà quoi, je vais pas vous dire toute ma vie, ça risque d'être chiant un petit peu pour vous, je pense. Un petit peu ennuyant. Ennuyant ou ennuyeux, je ne sais plus. Ouais bref, on s'en fout. Et. Ouais, j'aime pas ce couloir, je vais y aller après. On va fermer la porte, tiens. Et. Bonjour monsieur. Bonjour. Et... Oh une clé, cool. Et voilà quoi, je vais pas vous raconter ma vie, ça risque d'être chiant un petit peu. Voilà. Donc j'ai un petit peu peur, je m'excuse aussi s'il y a des... T'es moche toi. Ah. S'il y a des blancs pendant la vidéo, parce que c'est la première fois, j'ai peur qu'il y en ait, que je sache pas trop quoi dire et tout, mais bon. Je pense que pour le moment, je m'en sors plutôt bien. Voilà. Alors, concernant cette custom, je sais pas du tout combien de temps elle va durer. Donc si elle est longue, je la ferai en plusieurs épisodes. Parce que bon, vous n'allez pas vous taper une custom qui dure 40 minutes, voire 1 heure. Ça risque d'être un peu chiant, et puis même pour moi... Déjà, si je tiens 10 minutes en parlant, voilà, c'est un exploit. Ouvre-toi le placard. Non, y a rien. C'est un exploit si je tiens 10 minutes. Sincèrement, donc... Voilà, quoi. Je la ferai en plusieurs épisodes au besoin. Et puis, voilà, quoi. Je sais pas du tout ce qu'elle vaut. Pour le moment, il n'y a pas de monstre. Je viens de remarquer ça. J'ai pas vraiment peur pour le moment. Et d'habitude, je me chie dessus sur Amnesia. Là, c'est plutôt calme. Limite pas ennuyeux mais trop facile. Ouais les notes je les lis pas, hein, c'est de l'anglais. Vous me pardonnerez. Hein. Donc voilà. C'est un peu bizarre cet endroit. Kidnapped. Alors est-ce qu'on va voir le kidnappeur à la fin? Bonne question. Oh un cochon. Bonjour. Oh la danse des cochons. Tintin, 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 tintin. Oh putain, j'ai réussi à mettre un cochon dans un tiroir. Bon bref. Casse-toi le cochon. Il n'y a rien d'autre ici, non? C'est une pelle. Allez, viens là.
Ah ouais, ok, je ne peux pas prendre la... Alors, putain de pelle, hein, quand même, hein. Allez, hop, je la mets en équilibre. Non, bon, ok. Sacré pelle. Alors là, il n'y a rien, ok, non. Ouais, bof. Alors, ouais, donc, comme je vous ai dit, si je fais des vidéos sur YouTube, c'est vraiment pour le fun, hein. Je me prends pas la tête à chercher d'être connu ou pas. C'est bon. C'est sûr que si je le suis un petit peu, enfin, s'il y a des personnes qui suivent un petit peu mes vidéos, je cracherai pas dessus, hein, je serai hyper content, normal. Mais je cherche absolument pas à être connu, hein. Franchement, si je fais ça, c'est vraiment pour le fun, pour m'éclater, histoire de m'occuper, faire du YouTube un petit peu une passion, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je veux me lancer dessus. Oh, les barils, je les sens pas, ils vont me péter à la gueule, je crois. Non, bon, ok. Ouais, donc je disais, ça fait pas mal de temps que je vais me lancer sur YouTube. Peut-être pas loin de 2 ans déjà, parce que à l'époque, ça a commencé à m'intéresser au début, à la sortie de Black Ops 1. Donc ouais, c'est là, allez, c'est là. Tu m'étonnes. Et ouais, ça a commencé vers au début de tout début de Black Ops 1, donc ça commence à dater, ouais, il y a 2 ans, moi. Je crois que ça fait 2 ans qu'il est sorti. Et je me suis jamais lancé un petit peu par peur, on va dire. Je vais allumer la lampe torche. Par peur, parce que bon, c'est pas rien quand même, comme je vous ai dit, de parler devant... Enfin non, devant, devant un écran, c'est facile, mais sachant qu'il y a du monde qui va regarder les vidéos et tout, c'est pas simple, quoi. Voilà. Oh, cool. Faut quand même savoir quoi dire. Puis j'avais un petit peu le track, sachant que je suis un petit peu timide en général, j'ose pas trop, donc... Voilà quoi, j'osais vraiment pas me lancer. Puis là, bah bon, je me suis dit, allez, soyons fous. Ça fait 2 ans que j'ai envie, 2 ans que j'attends, donc voilà. C'est bon, on se lance. On s'en fout de la timidité, on s'en fout si les gens ils aiment pas, voilà quoi. C'est le principal, c'est que je m'éclate. Donc je me lance dedans, et puis bah, on verra bien, hein, qui sait. Qui sait. Et si vous voulez que je vous parle un petit peu de mes youtubeurs préférés, c'est un petit peu compliqué parce que j'en suis pas mal. Et... Ouvre-toi là-bas. Ou... Ouvre-toi là. Putain, ouvre-toi. Doucement. Voilà, couchez la porte. C'est bien. On va refaire mal. Côté youtubeur, alors j'en suis pas mal. Donc mon youtubeur préféré, j'ai quand même une petite préférence, je vais le dire. C'est Kidgar69. Je l'ai commencé à le suivre. Il avait peu d'abonnés. Je crois que c'était lors de son premier ou deuxième ticket Horror Show. Donc ça commence à faire un petit moment quand même. Bon, il avait quelques abonnés quand même, mais voilà quoi. Et c'est vraiment mon youtubeur préféré, il me fait vraiment marrer. Il est un peu... J'aime bien ses délires et tout, et... Franchement, j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup... J'ai pas une clé. Marteau. Non. J'aime beaucoup Unstore Beacher aussi. J'ai découvert grâce à Flying Kingdom. Kingdom, ouais. J'aime beaucoup, mais après j'aime beaucoup d'autres youtubeurs qui font des vidéos sur tout et n'importe quoi. J'aime bien, je sais pas, par exemple, il y a des petits youtubeurs que j'ai connus grâce à d'autres youtubeurs justement qui sont... Oh, oh, j'entends des bruits de pas là, ça met pas en confiance. C'est pas top. Ouais, donc d'autres youtubeurs, je sais pas, j'ai eu ma période, bah je vous dis Monsieur le V12 parce qu'il fait du Call of Duty et bon j'étais vraiment à fond dedans à l'époque. J'aimais bien suivre ses vidéos. D'autres grands youtubeurs, d'autres plus petits, V2F par exemple, il me fait bien marrer. Enfin bon bref là, je vais pas faire non plus leur pub quoi, mais bon, je vous parle un petit peu de mes préférences. Sinon il y a Hugo Délire que j'ai découvert il y a pas trop longtemps que j'aime bien. Enfin bon bref, ça va de tous les styles quoi. Il y a aussi pourquoi j'arrive pas à le tirer ça. Il y a aussi des youtubeurs qui font des podcasts, bon bah Cyprien, Norman et tout hein, comme vous le savez. Cortex, j'aime bien aussi Cortex, il me fait marrer. Au début je dois avouer que j'aimais pas trop parce que voilà, il faut dire ce qui est insulté et tout, mais maintenant bon, il me fait rire quoi. Il est sympa, enfin il est sympa, je connais pas personnellement, mais bon il est marrant quoi. Et puis voilà quoi, divers youtubeurs. Je veux pas tous les citer parce que ça risque d'être long. Youtubeur américain aussi, ouais. PewDiePie quoi, bien sûr. Oh, ça franchement, voilà quoi. Il va avoir 6 millions d'abonnés les gars. Pff, respect, sincèrement. Je suis sûr qu'il sert à ça le marteau.
Non? Non, bon, ok. Voilà, quoi, voilà. Bon, je vous ai parlé des youtubeurs, mais je précise que déjà, je vais être regardé par 10 personnes, donc c'est pas de la pub que je fais, mais c'est vraiment vous exposer mes goûts, mes préférences, quoi. Enfin, mes préférences, ceux que j'aime. Fanta et Bob aussi, j'ai oublié. Voilà, je tiens à préciser. Donc voilà. Alors pour le moment c'est un peu chiant. Y a rien à faire dans ce jeu. Enfin dans cette custom, y a pas de monstre. Un petit peu chiant quoi. Oh, c'est tout noir ici. Pas des lampes allumées. Du mucus. Oui, ça colle le mucus. Bon, bah on va aller par là, écoutez. Que dalle. Oh putain! Ah putain, ah je voulais du monstre, je voulais du monstre, bah je vais en avoir. Alors que faire dans ce genre de situation? Sachant que dans Amnesia il faut se cacher pour éviter les monstres. On va se cacher, sauf que ça ne me met pas en confiance. S'il vient là, qui me chope, je suis dans la merde. Deux solutions s'offrent à moi. Rester caché, crier comme une... Oh putain, 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 putain. Oh putain, je m'en bats les couilles, je me casse. Je me casse, je me casse, je me casse, je me casse, je m'en bats les steaks. Je m'en bats les steaks, je m'en bats les steaks. C'est où pour courir déjà? C'est où pour courir? C'est où pour courir? Pourquoi il court pas? Pourquoi il court pas? Cours, cours! C'est où pour courir? C'est où pour courir? C'est où pour courir? Je sais plus la touche pour courir, les gens. Je sais plus. Je sais... Ah, c'est là. J'aurais dû prendre la solution 1 et rester caché, je crois. Ah, bordel. Bordel. Il est encore là, Jean-Roger, là? Non? Bon, écoutez, les gens... Oh putain, non, je voulais du monstre, ok. Mais là, il y a du monstre, ok. Je suis servi. Bon, écoutez, je sais plus ce que je voulais dire, ça m'a perturbé. On va... Je vais essayer, j'ai ramassé un autre marteau, je vais essayer de voir si ça pète la porte. Non. Non. Oh, si, ça vous... Bon, bah écoutez les gens. Moi je vous propose quelque chose, je sais pas du tout combien de temps ça fait là actuellement. Donc on va se laisser ici. Je vais vous faire la suite très prochainement. Alors j'espère que quand même ça vous aura plu cette petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert si ça vous a plu. Un petit commentaire. Si vous n'avez pas aimé ou que vous me reprochez des trucs, bah n'hésitez pas à laisser un commentaire constructif dans le. Bah, dans les commentaires. Hein. Logique. Pour me dire. Comment m'améliorer, est-ce que je devrais faire en plus ou pas. Donc voilà quoi, donc tout simplement. Alors j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine et puis sur ce, bisous bisous partout, sur la fesse gauche, la fesse droite et tchuss.